Parlons des points positifs et négatifs du nouveau Honda Ridgeline. Eh bien, commençons avec le négatif. Il n'y a pas de boîtier de transfert. Donc, si jamais on veut sortir quelqu'un du bourbier ou encore, je ne sais pas, mais on veut faire une montée en route qui est un petit peu plus agressive, juste pour tracter une charge qui est un peu plus lourde sans avoir besoin de rouler vraiment rapidement, eh bien, c'est absent. Donc, aussi, le véhicule est toujours en traction intégrale et on n'a pas la possibilité de verrouiller quoi que ce soit. La garde au sol aussi, c'est un peu la même chose. Regardez la bavette à l'avant. Parfait pour l'aérodynamisme, parfait pour la consommation d'essence vraiment au minimum, mais pas très bon lorsqu'on va se rendre au chalet, puis il va y avoir quelques rochers un petit peu à terre. Soyez prudents. Vous vous rappelez qu'est-ce qui nous est arrivé avec le Honda Pilot? Donc, lorsqu'on a fait le tournage, ça n'a pas pris grand-chose. C'est ça, les véhicules d'aujourd'hui. Donc, vraiment, avec des pièces de plastique très basses. Il faut dire aussi que le seuil de caisse au niveau de la boîte à l'arrière est quand même assez élevé. C'est super au niveau du coffre, mais cependant, quand ça va venir le temps de charger, je trouve ça un petit peu haut. Cependant, on aurait quand même pu gagner quelques pouces. Le système multimédia, très ordinaire. Malheureusement, la réactivité n'est pas là, les menus sont pas là. On peut travailler là-dessus. Honda, je le sais que vous avez l'expérience en arrière de la cravate. Et s'il vous plaît, donc faites quelque chose pour rendre ça plus convivial. Les pneus aussi, même chose encore une fois. Je suis vraiment un gars de camion, je le sais. C'est parfait pour la ville, ces pneus-là. Mais encore une fois, lorsqu'on va faire du sentier un peu plus rocailleux, lorsqu'on va même faire des sentiers de terre, ça manque de mordant. Mais pour la ville, pour le côté économie d'essence encore, ben c'est parfait. Puis ça va être quand même assez durable aussi. Les plus, la tenue de route, je suis quand même assez impressionné. C'est sûr que c'est comme ça que fonctionne une suspension indépendante. On n'a pas de lame à l'arrière. Le véhicule nous offre vraiment un comportement typiquement Honda Accord V6. Vous allez être surpris quand vous prenez place à l'arrière. C'est la nuit puis le jour avec la compétition. On se sent vraiment dans une voiture, OK, un sport utilitaire, mais qui communique la route comme une voiture. Le comportement routier est vraiment irréprochable, que ce soit en accélération, en freinage, en direction, on se sent en confort et on peut tomber en mode sportif si on veut. Et que dire du son de l'accélération aussi avec la motorisation VTEC. Le coffre à l'extérieur qu'on a à l'arrière, c'est vraiment parfait. L'ouverture aussi du panneau qui est totalement originale. J'aime bien ça. Et que dire de l'espace aussi de logement, la conception au niveau du pneu de secours qui n'est pas exposé aux intempéries, au sable ou autre, puis qu'on n'aura pas de misère vraiment à sortir. Si jamais justement on est dans la misère d'un flat, ça c'est parfait. Haut-parleur dans le coffre, parfait pour les parties, parfait pour se divertir lorsqu'on doit faire une corvée de charger du bois à l'intérieur du véhicule. Et je suis sûr qu'on va pouvoir trouver n'importe quelle autre belle idée pour utiliser ce système-là qui est très intéressant. Pensez à vos longues nuits sous les étoiles, un matelas dans la boîte et voilà, le tour est joué et les bébés, c'est parti. Il y a une bonne économie d'essence aussi avec la motorisation, désactivation des cylindres, autoroute, ville, c'est vraiment un des camions qui consomme le moins présentement sur le marché. La note de maths, je vais avec un B. OK, je suis rough, mais je m'attendais vraiment à un vrai camion là, que j'allais pouvoir un petit peu brasser en mode hors-route. Ça, vous le savez, c'est mon côté personnel qui ressort. Je réévalue en enlevant mon goût de l'aventure et je lui donne un A. Fiabilité, côté aussi comportement routier, économie d'essence. C'est un camion qui est très complet et Honda a quand même fait un excellent travail à offrir quelque chose d'urbain et de civilisé. En conclusion, ce camion-là, c'est parfait pour ceux qui ont une mallette, ceux qui ont un job professionnel, mais qui aiment dire qu'ils possèdent un camion dans leur cour. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Aimez-vous le nouveau Honda Ridgeline? Je veux vous entendre dans la section commentaires ci-bas. Si vous possédez aussi un autre camion ou si jamais vous n'avez pas choisi le Ridgeline, expliquez-nous pourquoi. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Si vous aimez cette vidéo-là, pouce en l'air, abonnement dans le coin en haut. Matt vous dit à la prochaine fois pour une autre vidéo de Questions Auto.